Nous sommes le 15 novembre de l'an 2003. Il est précisément 9h30 et 48 secondes rue Wellington à Ottawa. Au même instant, de l'autre côté de la rivière, tout est calme rue du Portage dans le Vieux Hall. Ce qui nous amène deux rues plus loin au 48 de la rue Saint-Jacques. Toujours à la même seconde, un spermatozoïde pourvu d'un chromosome Y qui m'appartenait se détachait du peloton pour atteindre un ovule appartenant à Julie Chamberlain. 9 mois plus tard, naît Frédéric Godbout. Ce film se veut premièrement une intrusion dans le quotidien des Godbout, 4 mois avant l'arrivée de Frédéric. Elle raconte notre histoire, celle de Mario, Julie et Geneviève. Soyez témoins de nos joies, de nos peines et de nos désaccords. Ce film est une histoire d'amour, une aventure féerique, une histoire de bédaine. C'est avant tout deux familles attachantes, l'une québécoise et l'autre acadienne. Un film d'une rare tendresse, selon le voir. Un vrai conte de fées, nous dit l'Ottawa Citizen. Une rareté, un bijou, selon le droit. Un film fantastique, merveilleux, resplendissant de beauté et rempli de tendresse. Un vrai phénomène, un pur concentré de bonheur, à écouter sur le bout de votre siège. Mettant en vedette Julie Chamberlain, Mario Godbout et Geneviève Godbout, dans le fabuleux destin de Frédéric Godbout. Un film délicieux, à vivre la larme à l'œil et le sourire aux lèvres. Un film de Mario Godbout, à l'affiche sur vos petits écrans le 20e jour de mai de l'an 2006.